Mbote, mbote, bande konangai, bino nyon sotou, bobeti libaku ya Rolanda Biso. Na emission na biso spécial seni, oyo bolingara mingi, to bandi yango po to silisa, ce quartier géographique, cette zone géographique, oyo ba Rwandais, ba Ougandais, et avant cela, ba Burundi, bazaye ko kota, ba bobi ba de konabiso, ba yibi ba minere, ba kimi ba kei, kote ke la ba mindele, na primoko ya se. Donc, on perdait deux choses à la fois. On perdait deux trucs à la fois. On perdait les vies humaines et on perdait les minéraux, les ressources minières. Pourquoi je vous fais la géographie de cette zone? C'est tout simplement pour vous faire voir combien ces zones sont rapprochées de nos ennemis. Eh oui. Et comme on dit souvent, Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Goma, mais pourquoi toujours là-bas? C'est parce que eza pembeni ya ba banguna na biso. Oyo wendo koloso ya lobaki ba nyangalakata. Pardon. Donc, en somme, je vous fais cette émission pour vous présenter la carte géographique, la situation géographique à l'est de notre République démocratique du Congo. Ces villages ou ces villes qui sont tout près, tout proche, plus proche des assaillants. Des agresseurs. Le Rwanda en premier, suivi de l'Ouganda. Donc, il y a des noms qui nous reviennent tout le temps. Rutshuru, Kalenge, Goma, Lac Kivu, c'est ainsi que nous nous sommes entendus ici à BM News pour vous faire cette étude, cette promenade, cette balade, géographique. Cela peut aider certains aussi à comprendre ce côté-là, sans y être physiquement. Alors, on avait parlé d'abord du lac Kivu. Le lac Kivu est scindé en deux. Il y a le côté de l'agresseur rwandais, l'homme qui fait beaucoup de mandats, sans que la communauté internationale l'interpelle, sans que les donneurs des leçons le condamnent. Je parle de Kagame. Une partie du lac est de son côté et une autre partie de l'autre. Je dis la fois dernière que le Kivu, la ville du Kivu, hein, Kivu comme ville, est située en dessous, au sud de ce lac Kivu. Et au nord, nous avons le Goma, la ville de Goma. La ville de Goma,
qui est à 15 minutes, pas 15 heures, 15 minutes de vol d'oiseau, jusqu'à Gisenyi. Mais 15 heures, c'est Paris-Goma. Parce qu'il faut s'arrêter quelque part. Alors, ce lac est riche non seulement en poissons, mais en gaz. Vous voyez, nous avons un pays tellement riche que Bissomoko Toza pour s'occuper dans ma Cambote. Je ne dis pas qu'il faut arrêter à envoyer les enfants à l'école pour aller apprendre. Parce que moi, je vais vous donner la géographie de cette zone. Non. Par contre, c'est le moment d'en profiter. Après avoir suivi, vous envoyez les enfants à l'école. Va faire la géographie. C'est très, très bien. Va faire la géologie. C'est très bien. Va faire ceci, va faire cela. Voilà. On a parlé du lac Kivu. Riche en gaz. Yangoana, c'est pour cela. Certains pays ne veulent pas que la zone en question soit calme. Parce qu'ils envoient les agresseurs. Ils envoient les agresseurs. Quand ils rentrent, il pille, il sort avec des minéraux. C'est ce que j'ai dit à mon introduction. Vous êtes sur BM News. BM News pour votre information. Partant de Bukavu vers Ituri, nous allons monter le long du lac sur la nationale 2. Nous laissons la nationale 3 à gauche. Nous prenons la nationale 2. Nous remontons avec la nationale 2 vers Bouchouchou. Bouchouchou, Minova. Je cite les grands villages. Hein. Minova, Karuba. Arrivé à Karuba, c'est non loin de Sake. Sake, là où il y a bifurcation. La nationale 2 tourne à droite et il y a une autre route qui prend le RP. Le chemin RP 1030 et RS 29. RS 29 va conduire jusqu'à Masisi vers Butembo. Masisi Butembo, Bukombo, pardon. Luachi, Bukombo, là-bas. Et RP 1030 qui va vers Burungu, à ne pas confondre avec Burungu, dans le bas, dans le Bandundu. Burungu, Kahe, Bishusha. Vous voyez que le pays est grand. Le pays est grand. Alors, si nous prenons direction droite, Sake, nous sommes à Sake, nous prenons à droite. À notre droite tout de suite, c'est-à-dire nous descendons vers Keshero. Keshero, nous arrivons à la porte de Goma. Goma, nous sortons Goma, nous commençons la pente, la montée. Nous sommes vers Kibati. Kibati et Zali comme Mabiso vers Rutshuru, ville Yamunene, où ils allaient, Wana, Rutshuru, ou village Yamunene, Rutshuru. Et tout ça, nous sommes dans le parc, nous sommes aux environs
de grands parcs. Bisika wapi, bipai wapi, tozaline aba gorille, yamakasi, comme en quoi là? Comme au Rwanda. Mais il y a biso. O ezali munene. O koyoka jamais communauté internationale yoko lobelango. Nous voulons organiser un voyage touristique vers le parc national de Virunga. O koyoka te. Il y a Rwanda o ezamu keboui. Nde bazali koye bisabatu. Visite au Rwanda, visite au Rwanda. Visite wana po bake de otala nini. Kaka bagori wana. Nous avons des ennemis qui se dispersent. Bake lokola. Bake zela sambo. Voilà. Comme on dit en lingala. Bakimi zela sambo. Au Rwanda bamon de nini. Mais nous pouvons les poursuivre, le pourchasser avec la parole. Parce que quand nous prononçons, quand nous faisons de déclarations, le monde entier entend et se retire. L'UDPS n'a pas combattu seul. L'UDPS a combattu avec beaucoup d'autres partis politiques. Mais cependant, la plupart de ces partis-là sont dirigés par les gens corruptibles. Dès qu'on lui tend l'enveloppe pleine de billets verts, c'est fini. Il oublie son idéologie. Il oublie tout ce qu'il déclarait à la télé et il embrasse l'argent. Atiki peuple dans Zéla. Comme la plupart. Batika ba colite na baron dans Zéla. Nous avons un pays tellement riche que si nous commençons à citer des ethnies ici, Moutoisui palpitation. Mais seul l'argent fait notre défaut parce qu'on embrasse tout et on oublie l'essentiel. Lac Kivu. Et ça, il y a mon côté. Là, quand je remonte comme ça, j'étais à Rutshuru. Rutshuru, tu remontes avec la nationale 2, tu arrives à Rwindi. Rwindi, au Matidisous. Et là, le voyage, il y a les lots dans l'hôpital. Puisque Mbongo Yabanzela Nyonso Yezaye Kobima. Direction Rwanda. Vous êtes à Rwindi, Nase Tozana Mokoko, Mukoka, dans Bujimaï. Ah, Awa Mukoka. Nase Tozana Mukoka, Omati Disusu, Ozana Kanyabayonga. Kanyabayonga, c'est là où le chemin RP ou la route RP 1030 et National 2 viennent se rencontrer, se joindre. Libosokuna et Kendaki Boye, Bisopé et Tosuagi National de Toke Boye, Toke Goma, après d'abord Sake, Tokiti Goma, to remonté du Soussou. Tomati, Totigi, direction, il y a lac Edouard. Toye Kozoa, direction, il y a Sake. Tala Bistika Yako, Basit Yawosalaba, un voyage touristique. Alors, nous remontons vers Kanyabayonga, Tokomina
kanyaba yonga to mati lisusu kaina kaina to mati alimbongo alimbongo nde epai wapi batu ya ya Rwanda na batu ya 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 mwana mobali azalaki president ya ya cour ya seni nanga ne epai wapi babetami masasi na bande ko na biso ya ba wazalendo bakimi batiki mboka bakimi bakoti zamba olongwe alimbongo omati lubero lubero omati lisusu musienene ti okomi na tembo na na butembo tembo eza montagne toujours en RDC, mais cette fois-ci dans le Katanga. Kanyabayonga ezali esika stratégique. Oyo batwana balingi bakanga. Pourquoi? Po ezali rencontre, ezali carrefour. Yaba zela minene, zela minene mibale. Ezali carrefour. Ezali carrefour. Alimbongo, omati. Alimbongo ezali aux alentours ya lac Edouard. Lac Edouard ezali lisusu scindé en deux. Une partie, une petite partie, hein, mais ezali gaillard. Ezali mouké nandenga kolobata. Et ça mouké par rapport à la partie où il côté par la bise. Une partie est allée dans Ngambouya, Ouganda. Une autre partie est allée dans Ngambouya, Congo. C'est là qu'il y a le parc national de Virunga. Plein, plein, plein d'animaux. Entre autres, les gorilles. Mais, les gorilles, les bise, les Rwandais, les Zali, les Bango. Na koyo kanana bisomoko. O Mathieu, 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 Ozana lac Albert. Mais nous allons voir le lac Albert après. Aujourd'hui, nous arrêtons aux alentours du lac Édouard. Ou lac Virunga. Na lac Édouard, la grande ville qui est là, c'est Bunia. Bunia est sur la route nationale 7. Non, la route nationale 27. J'ai confondu avec la route nationale 7 qui est derrière moi quand je suis en France, à Paris. Voilà. La route nationale 27 ne est Bunia. Bunia, Okoki Kokende, Mwanga, Mwanga Bwala, Mwanga Bwalu, Mwanga Bwalu, ou bien Mahagi, 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 après Omati, Omati, Ozana Marasha, Ozana Koboko, Ozana Yumbe, Ozana Er Ariwara, 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 Ariwara. Donc, mes chers compatriotes, tous à la locola bawazalendo, tolinga mboka na biso. Soki bato oyo bazali na kimiate, c'est parce que ils sont frontaliers. Ils sont tout proches de nos agresseurs. Quand les agresseurs rentrent, ils viennent pour piller, pour massacrer, pour voler. Ils n'ont pas un autre objectif. Et celui-là. Voler nos minéraux. Et quand ils trouvent les autochtones, oh, bah, allez, comme ils paient ça. Essayez. Les autochtones de
alimbongo, de saké, de... Je ne vais pas vous dire des bêtises. De Kanyabayonga. Ce sont eux qui ont mis en déroute les groupes de Nanga et d'autres ADF. Faisons de sorte que la communauté internationale entende notre cri et donne la solution à nos frères et sœurs. Ça fait mal quand on entend qu'un voisin est rentré chez toi, a massacré ta femme, a violé les enfants sous les yeux de ta femme et par la suite, il a même tué ta femme. Ça fait mal. Mais devant cette puissance, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu trouves une histoire comme celle que je raconte? Tu rentres chez toi, tu trouves les gens qui ont tout massacré, tout saboté. Tu cherches à venger. Vengeons la RDC dans le bon. Tu peux venger là où tu es sans utiliser l'arme. Tu peux venger là où tu es en utilisant l'arme. Parce que l'arme répond à l'arme. Eh oui. Soutenons ceux qui se battent nuit et jour pour que la paix revienne à Goma, dans le Kivu et à Butembo, Ituri. Nous sommes tous Congolais. Que l'argent n'emporte pas sur notre liberté. Le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi Tshilombo. Il va faire son temps. Si tu n'es pas de son parti, faut pas aller jusqu'à insulter. Faut pas aller jusqu'à ensorceler. Faut pas aller jusqu'à jalouser. Je n'interdis pas les gens de jalouser, d'insulter, d'aimer, de soutenir. Mais il faut savoir pourquoi tu le fais. Tu insultes quelqu'un, tu l'insultes pourquoi? Bato baluki, tu sais que dit tu dans mon problème yamabe bazuite. Bamso goutou bato ningai. Oh! Est-ce que y a tiki ko lia fufu? Na tona ki bino awa kaka na plateau ya BM News. Est-ce que ko lia fufu ezamabe? Président ou api dans le monde. Bomoniye ba poniye président. Alors bien bino que moi je ne touche plus à ma bouffe préférée. Soyons congolais. Soyons humains. Soyons des personnes qui aiment leur pays. Regardez ce qui se passe. Dans le Parlement d'Abisso. Oh, il y a des gens qui supportent, qui soutiennent la rébellion, et même les populations les connaissent. Moutou ya lolenge boye, a fandi pe na mboka wana, a kodon, papa, moratoire et salam salam nango. Moratoire et salam salam nango. Likolo ya président ya Kasai, les Kasaiens ba ko fingama. Ba makambunyo so tu yamabe ebimi na poisse. Bolia kamboa, bolia kanyau. Mais écoutez dans les États-Unis, là où vous empruntez la démocratie, les sièges de toutes les nations. États-Unis. Mais on parle de ceux qui mangent les chiens là-bas. C'est comme quelqu'un qui mange les. Le serpent, tout le monde
monde ne mange pas les serpents. C'est comme quelqu'un qui mange des gorilles. Tout le monde ne mange pas les gorilles. Le singe. Et donc, soyons humains. Soutenons-nous. Prenons-nous la main dans la main. Ainsi, nous irons très loin. À très bientôt sur BM News. BM News pour vous informer. Je continue à saluer une seule personne. Voilà. Une seule personne aujourd'hui. Je salue Moulanga Marceline Moissi Antita. Moulanga Marceline Moissi Antita. Ah, ça c'est très très bien. À très bien. À très bientôt sur BM News. Ciao. À très bientôt. Moulanga Marceline Wachibanka Handa Moissi Antita.